Vous rapidement connectez-vous, Afrique de liberté. Connectez-vous. Bonsoir, donc, à tous. Bonsoir, à toutes. Bonsoir, depuis vos différentes positions. Bonsoir, depuis vos différents bords, mesdames et messieurs, chers présidents, chers amis. Partagez le direct. Likez le direct. Protégez donc, euh, cette vidéo tout simplement avec des likes et des partages. Afrique de la liberté, bienvenue donc sur Côte d'Ivoire 2020. Bienvenue sur la chaîne panafricaine. Bienvenue sur la chaîne de résistance. Je suis l'amiral Bafé. Je suis votre humble serviteur sur cette plateforme panafricaine. Afrique de la liberté, Côte d'Ivoire 2020. C'est votre chaîne sur YouTube qui vous informe sur. Tout ce qui se passe dans l'actualité politique en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Veuillez donc euh, liker nos vidéos, veuillez partager nos vidéos, veuillez vous abonner, veuillez surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater nos directs. Veuillez activer la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. À présent, nous allons passer aux informations et après vous dire ce qui se passe actuellement à ce instant et après, donc euh, la grande victoire d'hier, la grande victoire. La grande bataille qui a été remportée, le grand pas qu'a fait le Mali par rapport à cette décision capitale qui s'est tombée hier. Il s'agit donc bien sûr de la qui ne va plus jamais, en tout cas plus jamais, hein, se mêler, s'ingérer gérer dans les affaires du Mali. Voilà, la c'est fini définitivement. Ça là c'est donc un débat qui est clos. C'est une page qui est fermée à jamais. Qu'on n'ouvrira plus jamais. En tout cas, cette page, elle sera à jamais hein, fermée. Elle restera à jamais fermée. Parce que plus jamais, en tout cas, l'Afrique n'aura plus jamais besoin de ces gens-là. Ça, ce n'est pas un débat. Partagez la vidéo, protégez avec des pouces bleus. C'est très important. Ce qui a commencé au Mali, là, les gens pensaient que c'était quelque chose de léger. Qui allait vite passer. Les gens, depuis la Côte d'Ivoire, ont eu comme ça à raconter hein, des racontats ont eu comme ça à raconter des balivaines. Des choses même qui n'ont pas de sens. Depuis la Côte d'Ivoire, le soi-disant chef d'État de la Côte d'Ivoire, Alassane Ramon le détecteur, le monstre, a eu à dire des choses. Vous l'avez écouté ici avec ce soi-disant Boubou Sissé. Ce déstabilisateur, ce corrompu. Voici des gens qui travaillent avec la France. Voici les gens que Ouattara, c'est-à-dire, voici quelqu'un que Ouattara voulait positionner au Mali. Voici quelqu'un qui voulait depuis la Côte d'Ivoire, fait un coup d'État. Mais c'est mal connaître le grâce de l'État. Ce Boubou c'est là, avec qui Draman Ouattara était au téléphone. Quand la Russie et le Mali ont signé cet accord, cet accord historique, qu'est-ce que Ouattara n'a pas dit au téléphone Quand les deux assassins, quand les deux rebelles, quand les deux terroristes étaient au téléphone, qu'est-ce que Ouattara n'a pas dit Vous l'avez entendu, hein? la vidéo, elle a circulé. Sur la toile partout en tout cas Tous les panafricains ont pris note Tous les africains ont pris note La communauté que ce soit nationale Internationale a pris note Ouattara disait que Le combat que mène Assimi Goïta depuis le Mali N'allait pas aboutir Draman Ouattara dit ça ici Il a dit que si c'est sûr La Russie comme ça le Mali compte Mais c'est peine perdue La Russie donc Ce petit pays là ce n'est pas ce qu'il disait ici. Ce petit pays-là. Qui ne peut pas se suffire. Ce petit pays-là. Draman Ouattara. A dit ici que. En tout cas. Assimi n'allait pas arriver au bout. De. Cette mission. Qu'il s'est tracée lui-même. Mais c'est la mission. De tout un peuple. C'est la mission. De tout un continent. C'est ce que Draman Ouattara a oublié. Donc. Personne. En tout cas. Ne pensait. Que le Mali allait arriver là où actuellement ils sont arrivés. Ah oui, ils ont fait fort. Ils ont fait fort à tel enseigne que nous voulions encore une fois de plus nous incliner pour les saluer, pour saluer le peuple du Mali, pour saluer le peuple digne du Mali, pour saluer le gouvernement de la transition avec voilà, à sa tête le grand Assimi Goïta. Parce que actuellement, en tout cas, Ouattara a mal à la tête. Ouattara ne se sent pas bien. Parce que Ouattara sait qu'il est en danger. Draman Ouattara est en danger parce que tout simplement, il ne pensait pas que le Mali allait s'en sortir avec euh, tous ses embargos. Alassane Draman Ouattara et ses amis, c'est-à-dire cette euh, structure de MED qui n'a pas lieu d'exister en Afrique. Alassane Draman Ouattara. Et la CDAO, c'est-à-dire pensait que, en isolant, en coupant, vraiment Ouattara et ses amis pensaient que les restrictions qui ont été, en tout cas, prises par rapport au Mali, là. ça allait empêcher le Mali, en tout cas, d'évoluer, ça allait empêcher le Mali hein, de faire quoi que ce soit. Le Mali allait donc reconnaître hein, sa défaite. Et venir demander pardon en rampant. Non, on a eu tort. Vraiment, on a besoin de la France. On a besoin de ce système. Donc, euh, on demande pardon à l'Afrique. On demande pardon à, à la France. On demande n'importe quoi. Ramon Ouattara et ses amis-là. C'est-à-dire, en faisant tout ça-là, avec tous ces embargos. Et aujourd'hui, on nous fait croire que Assimi Doueta aurait appelé Alassane Ramon Ouattara pour lui demander de lever les embargos. On nous dit que. Asimé Goïta aurait appelé la Ramon Ouattara pour lui demander, en tout cas de l'aide par rapport à la BCAO. Il faudrait que Ouattara intervienne hein, pour qu'on puisse enlever des fonds. Et je vous dis, n'allez pas croire tout ce que les gens vous racontent sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'ils sortent ces sottises Pourquoi c'est maintenant ils vont sortir, en tout cas pour vous, vous distraire Parce que ce n'est pas nous. Ça c'est de la distraction. N'allez pas croire tout ce que, en tout cas, vous lisez, vous voyez, vous regardez sur les réseaux sociaux. Ces gens-là, ils ont perdu. Ils ont déjà perdu. Et ça, ils le savent. Si ils veulent aujourd'hui lever les embargos avec oh, toutes oh, ces restrictions, mais ils n'ont qu'à lever tranquillement et sans bruit. De la même manière qu'ils ont pris des résolutions à la con pour interdire le Mali, de la même manière qu'ils se sont, sont réunis. Et d'ailleurs, bientôt, il y a un sommet. Bientôt, aura lieu un sommet. Un sommet où Alassane Draman Ouattara, on ne sait pas par quel pouvoir, en tout cas, parce qu'il n'est ni le président de la CDAO, il n'est ni le président de l'Union africaine, il n'est ni, en tout cas, il n'est pas président d'une institution en Afrique. À ce que moi je sache. Mais il y a un sommet bientôt qui va avoir lieu où Draman Ouattara a déjà mis sur la table ce qu'ils vont se dire, c'est-à-dire la priorité de ce sommet. Il s'agit des élections au Mali, au Burkina et en Guinée. Draman Ouattara dit cet impératif. Il faudrait que ces trois pays, il faut aller très vite, très rapidement aux élections. Draman Ouattara parle en tant que qui Draman Ouattara parle au nom de qui Alassane Draman Ouattara lui-même, il est qui Pour demander ce que ces trois pays aillent aux élections dans le plus bref délai. Au lieu donc d'aller vous entretenir, d'aller discuter de comment vont se passer, vont se dérouler comme ça les élections à venir dans ces trois pays, n'ayez pas honte. Voilà, parce que déjà, vous avez commencé à, à balancer du n'importe quoi à travers vos médias de m'aide. Assimé Goïta n'a jamais demandé de l'aide à qui que ce soit. En tout cas, pas à Alassane Draman Ouattara. Asimé Goïta connaît très bien l'homme qu'on l'appelle Draman Ouattara. C'est pourquoi depuis, regardez, vous-même regardez, c'est-à-dire depuis qu'il a pris fonction, est-ce que vous l'avez vu Encore Côte voir... Est-ce que, chers Ivoiriens, Afrique de la Liberté, vous avez déjà vu Assimi Guetta en visite Vous avez déjà vu Assimi Guetta venir saluer le monstre, le dictateur, le sanguinaire Alassane Draman Ouattara, Abidjan, depuis euh, qu'il a pris fonction Ben non. Il connaît l'homme. Il connaît ce monstre. Assimi Guetta connaît Alassane Draman c'est pourquoi, quand l'assassin Draman Ouattara l'a invité, Draman Ouattara a invité Assimigoita à Abidjan. Mais est-ce que vous l'avez vu Nous, on l'a interpellé. On lui a dit, il faudrait en tout cas, en aucun okay cas, qu'il se rende à Abidjan. Parce que si il met ses deux pieds à Abidjan, ça va être sa fin. En tout cas, si il se déplace pour aller à Abidjan, ça n'est fini. Mais Assimi Guetta n'est pas un enfant. Assimi Guetta n'est pas un enfant. Assimi connaît l'homme qu'on appelle Alassane Ouattara Et oui, ça ce n'est pas un débat. partager, protégez la vidéo mesdames et messieurs, je ne vous sens pas cette et là Il faut partager, il faut protéger la vidéo. Assimi connaît Ouattara et jusqu'à ce jour-là, mais il ne va jamais le faire. Assimi ne va jamais mettre ses pieds à Bidjan Ça ce n'est pas un débat. Vous pensez que Asim boit l'eau par ses narines Vous pensez que Asim ne sait pas que Ouattara l'en veut Vous pensez que Asim n'est pas au courant, c'est-à-dire de ce que Ouattara l'en veut jusqu'à mort Mais il le sait. Il connaît Ouattara. Et il prend ses précautions. Il prend en tout cas toutes ses dispositions. Il sait qu'aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara n'est pas content du tout de lui. Il a écouté aussi l'audio, ce jeune homme. Ouattara qui aime toujours appeler les gens jeune homme. Ouattara a cette mentalité du néo-colonialiste. C'est-à-dire ils ne veulent pas voir les gens évoluer. C'est les gens, il faut toujours rester petit. C'est les gens, il faut toujours les adorer. C'est les gens, il faut toujours être en bas de l'échelle. Ils ne veulent pas voir les autres, c'est-à-dire à leur hauteur. Ouattara qui aime toujours appeler les gens jeune homme. Jeune homme, jeune homme. C'est ton mentalité du colon. Mais c'est fini. Asimigoïta connaît l'homme. Il ne va jamais rendre visite à l'homme qu'on appelle Asandraman Ouattara. En tout cas, les jours où il va essayer, nous-mêmes, on l'a déjà mis en garde. Le jour, il va essayer seulement de, hein, de continuer nos dits, de continuer lui-même ce que lui dit son cœur. Le jour, il va essayer d'aller contre lui-même sa volonté et de se permettre de se rendre à habile pour venir saluer, pour venir en tout cas. Mais ça sera sa fin et ça ce n'est pas un débat. Mais nous connaissons l'homme comme nous connaissons l'homme. On sait que l'homme ne va pas se permettre. En tout cas, d'agir dans ce sens. Et ça, là, ce n'est pas un débat. Partagez la vidéo, invitez vos amis, mesdames et messieurs. On va aller rapidement maintenant écouter cette vidéo du professeur très capital. Voilà, Afrique de la liberté. Il faut dire que l'heure de la révolution a sonné l'heure de la reconquête de notre Afrique a sonné. Et tous, sans exception, nous devons nous impliquer nous devons être à fond. Dans ce combat pour la grande libération et il faut être prêt pour la grande mobilisation et c'est pas pour longtemps bientôt l'Afrique de la liberté sera totalement libre bientôt l'Afrique de la liberté sera comme ça débarrassée définitivement de ces systèmes c'est ce que donc vous devez retenir en cette soirée de samedi 1er juillet 2023 et n'oubliez pas de liker n'oubliez pas de mettre un commentaire que vous étiez aussi là. Voilà, il faut marquer votre, votre présence. Comme on l'a dit, un homme, un homme fort, un homme que la Côte d'Ivoire connaît. Il s'agit bien sûr de Koudou Laurent Gbagbo qui dit comme ça que quand un homme marche, il laisse toujours des traces. Quand un homme marche, en tout cas, il a toujours eu à laisser des traces. Laissez vos traces pour qu'on qu sache demain que vous étiez présent. Pendant la libération totale de l'Afrique et que vous avez aussi participé à ce grand combat pour que nos enfants, pour que nos aïeux soient définitivement heureux, soient en paix en Afrique, pour que vive l'Afrique de la liberté. C'est ça aussi là qu'est la vérité. Un jour, on dira que vous étiez présent. un jour, on dira que vous étiez là grâce à vos commentaires, grâce à vos différents likes, grâce à vos différents partages. Alors partagez, likez, protégez la vidéo. Ensemble, maintenant, Afrique de la liberté, écoutons, écoutons attentivement. Le professeur, par rapport à la grande victoire hein, du Mali et par rapport à la victoire finale, la grande victoire, c'est-à-dire la guerre. Nous avons remporté des batailles et nous sommes en train d'aller maintenant remporter la guerre. Cette guerre, il faudrait nous unir. Il faudrait nous unir, il faudrait nous mettre ensemble et on va la gagner sûrement. Et ça, ce n'est pas un débat. Bientôt, nous verrons le jour. Bientôt, on sortira de l'obscurité. Parce que bientôt, tout va prendre fin. Parce que tout simplement, tout finit par finir. Quel que soit le temps que ça prend. Quel que soit le temps que ça prend. Un jour, tout finit par finir. Et le jour, le jour de notre jour a sonné. Et le jour de leur jour a sonné. C'est ça que est la vérité. Partagez, protégez. Ensemble, écoutons attentivement la vidéo du professeur. On y va. Un instant il vous plaît. Il faut partager. Il faut partager. Afrique de la liberté. Vous êtes connecté assez ce soir, mais je ne vois pas de like. Ce n'est pas normal. Vous êtes connecté assez, assez pour écouter le message que j'ai à faire passer. Mais pourquoi est-ce que vous ne likez pas Pourquoi est-ce que vous ne partagez pas ce message pour que ça puisse atteindre quelqu'un qui est au bout du monde, quelqu'un qui n'a pas accès aux informations Parce que il faut partager les informations. Il faut réveiller l'Afrique, quel que soit là où. Hein? Nos phrases de soi se trouvent donc quand vous ne partagez pas, on ne peut pas aboutir. Vous pouvez faire des copies, vous pouvez faire en tout cas tout ce que vous pouvez faire pour balancer sur toutes les plateformes. Il faut partager le message, il faut partager le message. C'est très très important. Afrique de la liberté, c'est aussi ça le combat. On parle, il faudrait que vous vous partagez. Quand vous ne partagez pas, c'est sans effet, c'est inutile. C'est comme si nous sommes sortis pour bavarder inutilement. Quoi. Donc euh, il faudrait partager. Partagez les messages pour que ça puisse arriver là où ça doit arriver. On écoute maintenant les professeurs, c'est très important. On y va. Eh bien, hier, le Mali a démontré qu'impossible n'est pas africain. Le Mali a réussi à obtenir l'unanimité, fait rarissime, du Conseil de sécurité pour une décision virant une mission militaire de l'ONU du sol africain. Remercions le Tout-Puissant. Remercions nos ancêtres angélisés. Remercions les forces positives de la nature qui sont désormais au chevet de l'Afrique en dolorie de plus de six siècles et qui nous permettent en cette année 2023 d'être de ces êtres humains qui ont vécu la journée du 30 juin 2023. Le triomphe diplomatique d'un État africain au Conseil de sécurité des Nations Unies, où l'Afrique ne détient aucun droit de veto. Le Mali a prouvé que c'était possible. Oui, dans ce Conseil de sécurité, composé de 15 membres, 10 qui sont des membres rotatifs, 5 qui sont des membres permanents et qui sont dotés du droit de veto, c'est-à-dire de s'opposer à n'importe quelle résolution. Le Mali a réussi à faire voter ses amis et ses ennemis en sa faveur. Écrivez ça. Nous sommes chanceux d'être vivants sur la Terre. Nous sommes chanceux d'être vivants sur la Terre et de voir un État africain. Se faire respecter par toute la communauté internationale, y compris ses ennemis. Hier, le Mali a fait voter ses amis et ses ennemis pour lui. C'est du jamais vu. Mettre les amis et les ennemis d'accord. Cela relève, il faut saluer la diplomatie malienne, il faut saluer la révolution du mali sans d'abord rentrer dans les détails. Africaines, africains, prions avec le Mali, prions pour le Mali, prions pour toute l'Afrique, que des dirigeants capables de cette intelligence politique, de cette intelligence juridique, de cette intelligence diplomatique, de cette intelligence géostratégique et géopolitique, que de telles autorités prennent partout le pouvoir en Afrique pour que nos peuples enfin vivent de la faramineuse prospérité que le Tout-Puissant leur a léguée. Il faut partout en Afrique des dirigeants qui ont la dimension des dirigeants maliens actuels. La dimension du président Assimi Goïta et de ses compagnons. Voilà la dimension qui est requise pour redresser l'Afrique. Parce que... Rétrospectivement, vous ne mesurez pas peut-être encore l'immensité de ce qui a été fait hier. L'Afrique n'a pas le droit de veto aux Nations Unies. Aucun pays africain ne peut lui tout seul bloquer une décision des Nations Unies. Et jusqu'ici, il était établi qu'aucun pays africain ne pouvait à lui tout seul mettre tous les, 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 les pays des Nations Unies d'accord avec lui. Notamment quand parmi les pays membres des Nations Unies et notamment les pays membres du Conseil des Nations Unies, il a ses ennemis. Juré et déclaré. Quand tu réussis à faire voter ton ennemi pour toi, lui-même ton ennemi s'assoit comme ça et dit « Ouais !» Il y a quelqu'un en face. Il y a quelqu'un en face. Et je ne pouvais pas donner cette conférence hier, parce que là encore, j'étais envahi par l'émotion du moment historique, du moment sacré que nous avons vécu. Le Mali qui fait voter 15 voix pour lui, parmi lesquelles les voix des puissances les plus hostiles au Mali. C'est là que j'ai compris ces mots de l'écriture, qui disent que si les hommes refusent d'adorer Dieu, Dieu fera prier les pierres. Les pierres remplaceront les hommes pour adorer Dieu si les hommes ne veulent pas l'adorer. Dans cette profonde métaphore qu'on trouve dans tous les grands textes sacrés, il est dit que la parole de vérité et de justice soumet les ennemis. Même les ennemis sont soumis. C'est pour ça que Satan lui-même, il y a des moments où il fait la volonté de Dieu. Dans toute la théologie, dans toutes les religions, où il y a un personnage nommé Satan. Vous lisez tous les textes dans tous les sens. Au final, le diable lui-même est soumis à Dieu. Il ne fait que ce que Dieu lui permet. N'arrive dès lors à l'homme que ce que Dieu permet. Hier, j'ai vu le Mali faire voter des diables avec des anges pour lui. J'ai vu le Mali mettre le monde entier au pas de sa parole orthogonale au pas de son verbe de vérité. Oui, les ennemis du Mali ont voté hier pour le Mali. Astafroulay. Et quand ton ennemi vote pour toi, il ne faut pas que tu aies la naïveté de croire que ça veut dire qu'il t'aime. Car nous connaissons très bien ce qu'on appelle le baiser de Judas. Le baiser de Judas. Le personnage religieux le plus important de l'Occident, c'est un certain Jésus-Christ. Et on sait comment Jésus-Christ est mort. Quand il a fallu que le Christ soit massacré par les extrémistes juifs et romains qui le pourchassaient, car ils craignaient que le Christ ne prenne le pouvoir politique en Judée, on passa par l'un des disciples, nous dit-on, du Christ. Le fameux Judas Iscariote. Et celui-ci, pour montrer qui était le Christ parmi le groupe que l'on recherchait, lui fit un baiser. Un célèbre baiser sur la joue qu'on a appelé le baiser de Judas. Il ne faut jamais oublier que quand une puissance ennemie vote en ta faveur, elle est en train de te faire le baiser de Judas. Ce n'est pas un vote de bon cœur. C'est un vote à contre cœur. C'est-à-dire que derrière ce vote et à l'intérieur même de ce vote, le diable se cache dans les détails. Et là, je vous mets déjà dans l'ambiance de l'analyse que cette conférence va délivrer. J'ai parlé de triomphe du Mali. Mais attention, nous, Africains, nous, Maliens, de naissance et de cœur et d'adoption, nous n'avons pas le triomphe aveugle. Nous n'avons pas le triomphe euphorique. Nous avons le triomphe lucide. Car quand les pires adversaires, quand les pires ennemis votent pour vous, <laughs> cela veut dire que vous devez redoubler de vigilance. Le danger est immense. Réjouissez-vous, car en effet, vous avez réussi à dicter la parole de vérité et de justice aux diablotins. Mais méfiez-vous 36 000 fois plus, car quand les diables <laughs> se soumettent, c'est dans l'espoir de se venger. Car les diables, par définition, ne déposent sur la joue de leur flatté que le baiser de Judas. Donc, je commence par dire au peuple malien et à tous les peuples africains, à tous les observateurs de la politique africaine, ne prenez pas le vote 15 voix sur 15 en faveur du Mali hier, le triomphe du Mali au Conseil de sécurité de l'ONU, ne le prenez pas comme la preuve qu'il y aurait un consensus des puissances de l'ONU en soutien au gouvernement de transition du Mali. Prenez cela comme une victoire d'étape. Car en réalité, quand nous allons analyser justement la résolution 2690 qui a été votée à l'unanimité, vous allez voir comment le diable est dans les détails. Et vous allez comprendre que pour beaucoup des puissances qui ont voté hier pour le Mali, L'objectif était de déposer sur la joue du Mali le baiser de Judas. Et donc, à partir de ce 1er juillet, la détermination du peuple, du gouvernement malien, des peuples africains, des amis de l'émancipation de l'Afrique, est de veiller à échapper au baiser de Judas, que certains ont cru avoir déposé hier en votant oui à la résolution appelant au retrait de la MINUSMA. Nous devons faire échec au baiser de Judas. Car il y avait parmi les votants des Judas jurés, des Iscariotes impénitents. Nous aurions tort de les croire. Tant pis pour celui qui les croit. Car les promesses n'engagent que ceux qui les, qui les croient. Et tout bon flatteur vit systématiquement aux dépens. De celui qui l'écoute. Vous connaissez la sagesse de la fable de Jean La Fontaine dans Le corbeau et le renard. Alors, quel est le plan que nous allons adopter pour décrypter ce grand moment de diplomatie et de géopolitique Quel plan allons-nous adopter Premièrement, je vais vous rappeler le contexte et les positions qui étaient anciennement. Connu à propos de l'avenir de la MINUSMA, que nous avons rebaptisé MINUDEMA. Il l'appelait Mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Nous l'avons renommé à juste titre, Mission des Nations Unies pour la déstabilisation du Mali. Bon. Nous allons commencer par rappeler quelles étaient les positions avant la réunion du 30 juin 2023 au Conseil de sécurité à New York. Dans la deuxième partie. Je vais faire un rappel du contenu de la résolution que j'ai lue 30 fois depuis hier. Je l'ai lu 30 fois au moins depuis hier. Je vais vous faire le résumé du contenu dans la deuxième partie. Et dans la dernière partie, je vais répondre à la question suivante. Dans la troisième partie, je vais répondre à la question suivante. Mais comment peut-on expliquer l'unanimité des 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU? En faveur de la décision que le Mali avait annoncée le 16 juin 2023. Comment peut-on expliquer cette unanimité Donc, retenez bien les trois moments du travail que nous allons abattre maintenant pour tenter d'éclairer les lanternes de toutes et de tous du mieux que nous le pouvons. 1. Quelles étaient les positions anciennes avant la réunion 2. Quel est le contenu de la résolution Et qu'est-ce qu'il y a de troublant dans le contenu de la résolution ça, ce sera l'objet de la deuxième partie. Et puis, troisième et dernière partie, comment expliquer l'unanimité Pourquoi, malgré ce contenu troublant que vous aurez découvert, pourquoi ils ont quand même voté de la même façon Pourquoi ils ont tous voté oui Pourquoi, y compris ceux qui ne sont pas d'accord avec le départ de la MINUSMA, ont quand même voté oui C'est important que vous, vous compreniez le MICMAC, le Schmilblick, que vous compreniez la Makirovka. Des ennemis du Mali à l'ONU hier. Car, en effet, hier, vous avez assisté à une grande séance de sorcellerie diplomatique. C'était la haute sorcellerie diplomatique. Il faut être un grand sorcier analytique pour comprendre la haute sorcellerie diplomatique qui avait eu lieu hier. Il faut être extrêmement futé et revenir sur les détails pour voir comment le diable, le diable, se cache dans les détails. Et comme le dit un proverbe français, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Nous finirons cette conférence par une méditation sur un chapitre extrêmement important de la Charte des Nations Unies qui a été votée le 26 juin 1945 à San Francisco, en Californie, aux États-Unis. Nous allons méditer ensemble quelques-uns des articles de ce chapitre 7. Et vous allez vous rendre compte que ce chapitre 7 n'a pas été évoqué dans la résolution 2690 mettant fin à la par hasard. Ce chapitre 7 a été logé là, comme une épée de Damoclès qu'on essaye de placer sur le Mali, tout en s'avouant vaincu dans la phase actuelle du duel contre le Mali et ses grands alliés au Conseil de sécurité, que sont notamment, vous le savez déjà, la Fédération de Russie et la République populaire de Chine. Vous avez donc vu Donc maintenant, nous commençons le travail. Afrique de la Liberté cherche une société donc l'intervention de votre humble serviteur l'a mère parfait que je suis et aussi du professeur Franklin Amisua Cameroun, conseiller spécial de Guillaume Okibafouri Soro, mon assistant. Il a aussi cadre de GPS. C'est un franco hein, ivoiro camerounais que j'aime très bien. C'est le professeur. Notre professeur à tous Afrique de la Liberté. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, merci à tous ceux qui ont partagé, merci à tous ceux qui sont restés, merci à ceux aussi qui n'ont pas partagé. C'est l'Afrique qui gagne. On ensemble demain, on sera encore pour notre direct. Ciao, en tout cas, je vous claque plein de bisous et ça a été un plaisir, encore une fois de plus, d'être à votre compagnie. Portez-vous bien, car là vous assiste en tout cas dans ce début de mois. Que ce mois soit un mois très très merveilleux, un mois accompli, un mois où en tout cas tout n'a qu'à s'accomplir dans vos différentes vies. Je vous aime, on est ensemble à demain pour notre direct. Ciao, ciao.